Dromonkas. Longtemps je me suis raccroché à ce monde, avant de le délaisser comme une expérience ratée. Vous abandonnez toutes vos créations. Pas toutes. Dromonkas ne peut rivaliser avec la satisfaction que m'a donnée Zakel. Voici l'enveloppe vide que j'ai laissée derrière moi. Mais les Sith restent un instrument utile pour vous emparer du trône éternel. Hôte distingué, bienvenue sur Dromonkas. Moff Lorman ? C'est ministre Lorman à présent. Vraiment ? J'ai cru que votre carrière était ruinée quand vous avez perdu la flèche ascendante. Vous semblez vous connaître ? Lorman et moi, on s'est déjà croisés. C'est ministre Lorman. Et peu importe le passé. Je sers l'impératrice Asina aujourd'hui. Elle nous attend dans la salle du trône. Bienvenue, commandant. Que voilà de bien étranges circonstances. Auriez-vous imaginé qu'une Sith négocierait avec une Jedi? J'espère que vous saurez voir au-delà de votre a priori. Par le passé, notre arrogance aurait occulté nos défauts à nos yeux. Aujourd'hui, nous savons qu'admettre sa faiblesse est la première étape pour s'en affranchir. Je vous en conjure. Ne soyez pas si dure, impératrice. L'Empire Sith a toujours été glorieux. J'aimerais poursuivre cette conversation à bord de ma navette privée. Que nous puissions parler librement, juste vous et moi. Ce n'est pas très prudent de nous séparer. Si elle tente quoi que ce soit, je saurai me débrouiller. Ça ira si je vous laisse avec Lorman ? C'est ministre Lorman ! Ministre Lorman ! Est-ce si compliqué à retenir ? Ne vous inquiétez pas pour nous, commandant. Les Sith qui désapprouvent l'offre que je vous ai faite demeurent ici. Ils sont très attachés aux anciennes traditions. Mais pour arrêter Velin, nous devons coopérer. Tout ce qui importe, c'est de l'éliminer. Toute l'aide sera la bienvenue. Velin, ce n'est que le début. Nous savons, vous et moi, que c'est le seul moyen de triompher. Vous voulez prendre le trône éternel ? Je vais vous y aider. Je n'ai que faire du trône. Vous n'avez pas le choix. Si personne ne s'oppose à elle, Velin nous exterminera. Je ne suis pas assez puissante pour l'arrêter, mais avec mon aide, vous le serez. Les moteurs ne répondent plus. Il faut se poser en catastrophe. On arrive trop vite! Sautez! Vous vous battez admirablement bien, commandant. Ravi de voir que votre réputation n'est pas usurpée. Ce crash n'était pas accidentel. Mon vaisseau a été saboté. Probablement par celui ou celle qui brouille nos transmissions. Lorman est derrière tout ça. Je le sais. Lorman n'a ni le courage, ni les compétences pour attenter directement à ma vie. Ma navette est équipée d'une balise de détresse. Le signal devrait traverser n'importe quelle interférence. Si des secours arrivent, ce sera grâce à elle. Je
suis presque dans le réseau principal. Quelqu'un vient. Pardonnez mon intrusion, mais je suis porteur d'une terrible nouvelle. La navette... Écrasée, où ça? Quelque part dans la jungle. Malheureusement, la balise de détresse ne répond pas. C'est impossible. Pas si la navette a été désintégrée. Je crains qu'il n'y ait qu'une conclusion logique. L'impératrice et le commandant ont péri. Jungle s'annonçait comme la partie la plus pénible du contrat. C'est bien plus simple que les cibles se jettent directement dans nos bras. Vous savez qui nous sommes. Vous pensez vraiment pouvoir nous battre? Le Geno Haradan ne craint personne, pas même vous. Le Geno Haradan, je croyais que vous n'étiez qu'un mythe. Parce qu'on ne laisse jamais de témoins. La balise est détruite, les signaux sont toujours brouillés et une tempête approche. Le Geno Haradan doit avoir un camp à proximité. Nous pourrons nous y abriter durant la tempête. Le camp est sûrement lourdement gardé. Voyez ça comme une aventure. Pas très rassurant. Apparemment, la tempête n'est pas en passe de se calmer. Je suis d'avis de prendre une navette maintenant. Les interférences vont désactiver toutes les communications ainsi que les capteurs, sans compter le risque de surcharge d'énergie. Shan, je viens d'apprendre la nouvelle. Toutes mes condoléances. Il y a du relâchement au SIS depuis que je suis parti. Le commandant est porté disparu, pas mort. Ne laissez pas l'espoir vous aveugler. Vous n'avez plus de guide, tout comme les Sith. Quelqu'un doit bien assumer ce rôle. Pardonnez-moi, mais vous ne seriez pas l'ancien chancelier de la République? Votre mandat est terminé. Les véritables dirigeants n'ont pas besoin d'un titre pour exercer leur pouvoir. Je veux la même chose que votre précédent chef, vaincre Véline. Rejoignez-moi et nous pourrons achever ce qu'elle a commencé. Je passe. J'ai suffisamment eu affaire à vous par le passé. Vous portez encore le deuil, mais vous finirez par réaliser que j'avais raison. Au diable, la tempête! Ce n'est plus le moment d'attendre. Partons à la recherche du commandant. J'imagine qu'une navette, c'était trop demandé. J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas suffisant de descendre la navette. Je veux voir les corps. Pas de corps, pas de prime. Le chancelier sage, la vipère de la République. J'aurais dû me douter que Saresh était derrière tout ça. J'ai entendu dire qu'elle faisait appel au Geno Haradan. J'avais quelques soupçons. Saresh n'est certes plus au pouvoir, mais elle garde une certaine emprise sur la République. Dans le temple! Thank you.
Je suis sûr qu'il existe une autre sortie. Un peu d'exploration s'impose. Passez devant, commandant. Les rapports sur Dromunkas annoncent la mort de l'étrangère. Non. L'esprit de père s'agite toujours dans les environs. Son petit animal est encore en vie. Qu'importe si c'est vrai. Les rumeurs ont déstabilisé l'Alliance. C'est le moment idéal pour frapper. Odessen est trop bien défendue. La disparition de leur précieuse étrangère n'y changera rien. Odessen n'est pas notre cible. Le tombeau profané d'un autre seigneur Sith. Autrefois, je pensais que ces temples anciens renfermaient le secret de l'immortalité. J'avais tort. Pourquoi tous les Sith pensent-ils pouvoir vivre éternellement? N'allez pas me confondre avec ces sots qui aspirent à l'immortalité pour satisfaire leur ego. Être empereur des Sith n'est que l'une de mes nombreuses facettes. Le premier visage que j'ai porté. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucun visage. Vous êtes piégé. J'ai choisi de lier mon destin au vôtre. Nul autre que vous ne peut régner sur l'Empire éternel. Quand vous monterez sur le trône, vous comprendrez. S'enfoncer plus profondément pour trouver un autre passage vers la surface. Biwan, c'est pas le moment. C'est urgent. Saresh vient d'envoyer un message. Elle fait route vers Odessen. Visiblement, elle n'a pas attendu qu'on change d'avis. Renvoyez-la d'où elle vient dès qu'elle aura atterri. Certains de nos hommes veulent l'écouter. Ils doutent de l'avenir de l'Alliance. Des rumeurs courent au sujet du commandant. Rappelez-leur dans quel camp ils sont. Ralentissez, Saresh. On se met en route. Le ministre Lorman nous a avertis que vous pourriez tenter de filer. Quelle grossièreté de m'obliger à sortir par un temps pareil. Nous devrions refermer le passage derrière nous pour vous piéger ici à jamais. Nous n'avons pas le choix. Saresh veut voir les corps. Pas de corps, pas de prime. Donc vous avez décidé de cirer les pompes de Saresh plutôt que celles d'Asina. Vous êtes pitoyable, Lorman. C'est ministre, Lorman. Et je ne reçois pas d'ordre de Saresh. Nous sommes associés. Vous n'êtes qu'un laquais aux yeux de Saresh. Elle vous trahira à la première occasion. Le commandant de l'Alliance a raison. Rendez-vous maintenant et implorez-moi. Et je vous épargnerai peut-être. La décision ne revient pas à Lorman. Le Geno Haradan termine toujours ses contrats. N'approchez pas!
J'ai pris vos amis en otage. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous pouvez leur dire adieu. Ici le ministre Lorman. Laissez-moi parler aux prisonniers. Tiens, bonjour, Lorman. C'est ça que vous envoyez à nos trousses ? Je suis un peu vexé. Vous avez commencé les festivités sans moi ? Il faut bien qu'on s'amuse aussi. Ça fait plaisir de vous voir. Je savais que vous n'étiez pas morte. Je n'en ai pas douté une seconde. Saresh est derrière tout ça. A-t-elle tenté de vous joindre ? Et pas seulement. Saresh convoite l'Alliance, commandant. Elle est sur Odessen à l'heure où nous parlons. Tenez bon, je suis en route. Vous êtes mon invité. Souhaitez-vous exécuter le traître ? Ou je m'en charge ? Il est temps d'adopter de nouvelles méthodes, impératrice. Faites preuve de clémence et vous aurez un loyal serviteur à vie. Ça ne me plaît guère, mais je ferai un essai. Membre de l'Alliance, comme beaucoup d'entre vous le savent, votre commandant est mort. Nous vivons une époque bien sombre, mais ne craignez rien. J'apporte la lumière dans l'obscurité. J'imagine que vous avez tout découvert. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait tout ça ? Vous êtes de mèche avec Véline ? Je veux éliminer Véline et vous êtes indigne de diriger cette alliance. Moi seul le peux. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Je ne m'en excuserai pas. On a largement dépassé le stade des excuses. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Vous allez me mettre à mort, j'imagine. C'est ce que ferait Véline. Et moi aussi. Voilà ce qui nous sépare. Vous vivrez, mais vous allez croupir dans une prison de l'Alliance pendant très longtemps. Emmenez-la. Vous n'imaginez pas à quel point ça me ravit. L'impératrice Asina attend votre appel, commandant. On se retrouve dans la salle de guerre. Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé sur Dromund Kaas. Toutefois, je persiste à penser que nous devrions unir nos forces. Vous avez prouvé votre bonne foi, Asina. J'accepte votre offre. Ça ne veut pas dire que tout est rose. On vous a à l'œil. Au moindre signe de trahison, l'accord sera rompu. Et il y aura des représailles. Je n'en attendrai pas moins. J'ai hâte de travailler avec vous. Tenez bon. Merci à vous, Cote. J'ai hâte de vous rencontrer en personne.